On a décidé d'avoir un coup de cœur du jury pour le travail de Laurent Motta. Le sujet, c'était une analyse secondaire sur l'expérience soins auprès de femmes de 18 à 75 ans. Ce qui a plu au jury, c'est le fait de faire une analyse secondaire sur les résultats de différentes études et de dégager des grandes thématiques, des grands enseignements au regard de la sociologie contemporaine. Ça fait longtemps que je travaille sur la recherche et les crèmes de beauté, mais le but de ce travail de Master 2, ça a été de reprendre toutes les études que j'ai faites, qui étaient sur 5 grandes thématiques, et de relire tous les sociologues contemporains pour faire le lien entre finalement l'expérience soin-visage aujourd'hui vécue par les femmes et les sociologues contemporains peuvent nous aider à comprendre cette expérience soin. En fait, j'avais déjà un pied dans l'entreprise puisque je travaille dans de la recherche et d'habitude je présente des sujets sur des études, des résultats d'études, des grandes thématiques. Mais là, c'était mon travail, quelque chose en dehors du travail et quelque chose de complètement différent et devant des professionnels avec qui j'avais travaillé. C'est avec enthousiasme que j'ai voulu me dire ben oui, je vais me confronter à aller beaucoup plus loin puisque ce projet, c'est un projet personnel et j'ai envie de le porter loin, de le faire savoir et de le faire connaître. C'était l'objectif et visiblement, j'ai assez convaincu beaucoup de gens là-dessus.